Pris trois livres. Ah, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Ben, vous savez, cette graisse-là. Depuis que c'est au régime, pourtant, je mange toutes des belles aux fruits. Hey, les gars, le chef veut voir tout le monde dans la salle de briefing dans 5 minutes. Puis, il a pas l'air de bonne humeur. Bon, écoutez-moi bien, là. Le maniaque aux implants mammaires a fait une autre victime hier soir. Sa 12e en moins de 2 mois. Et on n'a toujours aucune piste. La mère nous traite d'incompétents. Les hommes ont peur de marcher tout seul la nuit. Puis comme c'était pas suffisant, les médias ne parlent que de ça. Une 12e victime pour le maniaque aux implants mammaires. Et la police a toujours aucun suspect. Le maniaque aux implants mammaires court toujours, mesdames et messieurs. C'est inacceptable. 12 victimes. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 7, 12! Puis la police l'a toujours pas pogné! Non, mais ça prend-tu une gang de totons? El maniaco del toton sigue universal. Ce soir, le ciel sera parfaitement dégagé. Soirée idéale pour une petite marche de santé. Il y a juste au canal météo qui en parle pas. Mais on vous conseille fortement de rester à la maison et de barrer la porte, car le maniaco aux implants mammaires est toujours en liberté. Ça suffit. À partir de maintenant, ce gars-là est notre priorité numéro un, c'est-tu clair? Whittaker, Pelletier, allez tout de suite inspecter les lieux du crime. Ensuite, vous irez interroger la dernière victime à l'hôpital. Je veux du nouveau! Je veux une piste! Je veux quelque chose! Oui, oui, chef. Inspecter. Qu'est-ce que tu veux qu'on inspecte, là? C'est une ruelle. Ben, on devrait peut-être demander si quelqu'un a vu quelque chose. Ah, c'est pas bête, ça. Madame! S'il vous plaît. Auriez-vous aperçu quelque chose de louche ici, hier soir, vers 11h? Non. OK. Puis vous étiez où hier soir, vers 11h? Ben, j'étais chez moi. Je regardais la télé. Ah ouais? Avez-vous un alibi? Quelqu'un pour corroborer? Bon, je l'avoue! Je n'étais pas chez moi! J'étais avec mon homme! Mais c'est pas ma faute, hein! J'allais dans la peau! C'est si mal que ça demain! Hein? On n'a pas le droit de s'aimer ici! Laissez-nous nous aimer! Laissez-nous nous aimer! OK. C'est bon, madame. Vous pouvez y aller. Bonne fin de journée, là. Bye-bye. Hop. Jeune homme, s'il vous plaît, ici. Ah, c'est pas moi qui a pâté la bite. C'est Gros Louis qui tenait le bat. Moi, j'ai rien fait, c'est Gros Louis qui avait la bite. Et le Gros Louis aurait-il manipulé un implant mammaire dans les dernières 24 heures? Mais quoi? Ah, c'est bon. Va-t'en, petit gars, là. Va-t'en. Pas moi qui a pâté la bite. Hop, un instant, mon petit monsieur, là. un instant. Est-ce qu'on peut savoir où vous étiez, vous, là, hier soir, hein? Où est-ce que vous pensez que j'étais? Je suis enfermé chez nous! Parce que vous n'êtes pas capable de faire votre travail comme du monde! Puis que j'ai pas envie de me ramasser avec une paire de totos! Un instant, là, on est là-dessus, là. On enquête justement là-dessus, là, en ce moment, là. On lâche pas, là. Regarde, check! Je pense que j'ai trouvé un indice. Vous voyez? Ça a l'air d'un tampon de chloroforme. Du chloroforme? Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est du chloroforme? Non, on sait pas. Là, ça sent le chloroforme. Regarde ça.
Tu vois bien que c'est du chloroforme. Alors, Monsieur Gingras, qu'est-ce que vous comptez faire avec votre nouvelle poitrine? Ben, j'avais pensé les transférer à ma femme. Des belles boules de même, tu jettes pas ça au vidange, là. Mais finalement, je vais attendre un petit peu. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah oui? Et pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai été invité d'un concours de wet t-shirt au Gigolo Nightclub à Laval, là. C'est pour tirer un voyage à Cancun au Mexique. Hey! Cancun! Hey, c'est quelque chose, Cancun! On est jamais allé à Cancun. Reculez, reculez! Ici la police, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Monsieur Gingras, nous aurions quelques questions à vous poser concernant votre agression. Là, j'ai déjà tout dit, là. Je marchais dans la rue, j'ai vu une ombre, puis après, ben, je me souviens plus de rien. Sauf que je me suis réveillé avec des boules. Et votre ombre, elle ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à une ombre, comme toutes les ombres, là, tu sais, dans le genre ombrageux. Note ça, Jimmy, note ça. Une ombre ombrageuse. Hey, je te connais, toi. Ben oui, toi aussi, ta face me dit quelque chose. Jimmy! Jimmy Pelletier! École Saint-Pierre à Varennes! Ah oh ben, ça me revient! Gino! Gino Gingras! On était dans la même classe en secondaire! Oui, oui, je me souviens! Tu sortais avec la grosse rousse, Fainette, là, qui bégayait, là! Bonjour, c'est quoi ton nom, là? Manon? C'est ça! Manon! On appelait Manon Laguenon! Manon Laguenon! À ta lettre! Tu qu'à ta lettre! Elle me demandait ce qu'elle est devenue, elle, la Manon Laguenon. Ben c'est ma femme, Manon. Jimmy, tu te souviens, Jimmy? Bonjour. Ah, ben bonjour, je... Ah, vous êtes mal... Ah, wow, c'est super, ça! C'est vraiment... Attention à toutes les unités! Un camion rempli de plans mammaires vient d'être volé sur la 132! C'est notre homme! Jimmy, c'est notre homme! Oh! Hey, Gino, je suis vraiment désolé, il va falloir qu'on y aille, là. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, toi et ta charmante épouse. On s'appelle. Hey, let's go, let's go! Bye! C'est ça. Bye! Pourriez-vous nous expliquer en détail ce qui est arrivé à vous et votre camion? Ben, moi, je roulais bien tranquille quand tout à coup, j'avais un gars au beau milieu de la route qui il faisait des grands signes pour que j'arrête. OK. Et de quoi avait l'air l'individu? Ben, moi, je sais pas trop, là, parce qu'il portait une cagoule. Ça fait que j'ai comme pas trop vu sa face. Une cagoule? Puis vous avez pas trouvé ça louche un petit peu? Ah non? Alors, à fondeur et frais, là, cette année-ci de l'année, puis avec un petit verre, mais je me suis dit que ça devait être un gars frileux. Vous savez, moi, j'ai rien contre le monde qui porte des cagoules. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben là, il m'a dit... Wow! Hey, ça, c'est vraiment un beau camion que t'as là. Ben, ça qui est beau, j'allais amasser mon camion. Mais ben, je comprends. Hey, je pense justement m'en acheter un pareil. Ouais. Hey! Mais laisserais-tu l'essayer juste pour voir? Hey, tu serais vraiment cool. Ben, OK. Pis là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'allais laisser partir avec mon truck et il voulait l'essayer. J'ai attendu qu'il revienne, mais il est jamais revenu. Je comprends pas. Il m'avait pourtant dit qu'il ferait juste un petit tour. Moi, je comprends pas. Mais là, monsieur, c'est évident, là. Il a volé votre camion. C'était tout planifié, son affaire. Hein? Ben oui, c'était un voleur! Ah, ben, t'as... Hey, ben moi, j'ai rien vu venir, là. Aïe, il est fort. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, là. Bien, Jimmy, on rentre. Oh, Régent! Je pense que je viens de trouver un indice. Chac! Intéressant. C'est peut-être une piste. On va ramasser ça, on va la porter au labo pour la faire analyser. Carlo! Peux-tu examiner cette pièce à conviction et nous dire tout ce que tu peux à son sujet? Ben là,
C'est une marmotte écrapoutier. Exactement. On l'a trouvée sur le bord de l'autoroute, sur les lieux d'un vol de camion. Penses-tu que cette marmotte écrapoutier pourrait contenir des indices? Des indices. C'est une marmotte écrapoutier, là, c'est tout. OK. Continue. Comment ça, continue? Qu'est-ce que je te dis? C'est une marmotte écrapoutier que dans ton Ziploc. Là, fais ton travail, sors tes instruments, aide-nous à retrouver le camion. C'est toi le spécialiste. Bon. OK, le décès semble avoir été causé par un pneu. Tu vois, Jimmy? Ils sont forts, ces gars-là. Ils sont très, très forts. Il semble pas avoir eu de tentative de freinage, ce qui a causé l'écrapoutillement complet de la dite marmotte. Penses-tu être capable de réanimer? La réanimer? Ben voyons donc, c'est une galette, ta marmotte, là! Comment veux-tu que je la réanime? Ben, je sais pas, moi, je disais ça comme ça, là. Puis tu fais quoi si je la réanimais? Tu l'interrogerais? C'est une marmotte, Chris! OK. Oublie ça d'abord. Allô? Le camion est au 33 rue Duville à Farnham. T'es qui? Ben, je sais pas. C'est un gars qui a dit que le camion était au 33 rue Duville à Farnham. Puis il raccrochait en rien. Il pense qu'il trouvait ça drôle. Bon, ben enfin quelqu'un qui collabore. Let's go, Jimmy. On n'a plus rien à faire ici. C'est une marmotte, Chris. C'est ici. Fais pas de bruit. On va essayer de le prendre par surprise. Alors... Penses-tu qu'on devrait appeler des renforts? Mais me semble que ce serait une bonne idée, non? Ah! Fais-moi confiance, je te gage un beigne à l'érable qu'on est sorti d'ici dans 20 minutes avec le maniaque. Hey, le con, pourquoi tu fais non? Mais là, oublie ça, je peux pas faire ça, c'est pas le temps, là. Comment ça, tu peux pas faire ça? Mais là, tu me dis de tourner sur moi-même pis de me mettre en petite boule, voyons donc. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que je t'ai dit, c'est passe par derrière, on va le prendre par surprise. Mais ça, c'est pas compliqué. Ben là, je m'excuse, mais ça pis ça, ça veut dire tourne sur toi-même pis mets-toi en petite boule. Écoute, là, je connais mes signes, là, j'étais le meilleur de ma classe. Regarde, laisse faire les signes, là. Passe par en arrière pis on va le prendre par surprise. OK? OK. Mais c'est pas ça que ça voulait dire, tes signes. Non, y a personne ici. Non! Jimmy! Oh non! Pas toi aussi! Là, c'est plus drôle, Régent. Il faut le coincer. C'est devenu une affaire personnelle. Jimmy, as-tu vu ça sur le mur? Quoi? Les photos! Hein? Ben, c'est moi juste là. Puis ça, c'est... C'est Gino, le gars de l'hôpital. Oui, puis le reste, c'est des photos de toutes les victimes précédentes. Hé, hey, mais attends une minute, là. Je regarde ça, puis c'est toutes des anciennes élèves de l'école Saint-Pierre, ça. Hein? Ben oui, ça vient de me sauter d'en face, là. C'est tout mon groupe de secondaire 1. Attends, là. Es-tu en train de me dire que toutes les victimes étaient dans ta classe de secondaire 1? Ben oui. Hey, c'est tout un addon, ça. Jimmy, ça fait 2 mois qu'on court après ce gars-là, pis t'as jamais réalisé que tu connaissais toutes les victimes. Ben là, j'ai perdu contact avec ce monde-là, ça fait longtemps. Écoute, j'avais 13 ans à l'époque, là. T'as rendu compte, Jimmy? Ça veut dire que le maniaque a probablement lui aussi un lien avec ton école. Alors, vous pensez que le maniaque serait venu ici, à l'école Saint-Pierre, c'est bien cela? Exactement.
toutes ses victimes étaient dans la même classe de secondaire 1 de Jimmy. Regardez, ils sont toutes là, là. Je les ai identifiées en rouge. Et c'est qui ces deux-là qui ne sont pas marqués? Lui, c'est Fernand Ouellette. C'était le petit baveux de la classe. L'autre, c'est Conrad Coron. Un petit gros à lunettes plein de bourrelets là, qui parlait jamais à personne. Ben, je me souviens, le petit Coron, là, on l'écœurait tout le temps. Mais c'est surtout Ouellette qui s'acharnait sur lui. Il lâchait pas. Conrad Coron a des tatons, 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 Conrad Coron a des tatons. Il chantait ça tous les jours, ouais. Non-stop. Mais là, il me semble que c'est clair, c'est lui le maniaque. Qui ça? Conrad Coron? Ben oui, Conrad Coron, c'est évident. Vous l'avez rendu fou à lui chanter votre chanson stupide. Il est resté marqué, puis aujourd'hui, il a décidé de faire payer tous ceux qui l'ont écœuré. Ben oui. Puis s'est gardé la série sur le Sunday pour la fin. Son pire bourreau, Fernand Ouellette. Ah ben, j'ai mon voyage. C'est le gros Coron, le maniaque aux implants, ma mère. Ben ouais. C'est un peu de votre faute, hein? Quand on écœure le monde, ça peut laisser des marques, des fois. Ben voyons donc, c'était juste des jokes, là. Faut quand même pas virer fou. Checker Yolande, là, s'est fait dire qu'elle avait les dents croches toute sa vie. Ben, elle s'est pas mis à poser des dentiers à tout le monde. Hein, Yolande? Ben, c'est vrai que je l'ai pas eu facile quand j'étais jeune, mais là, c'est correct. Aujourd'hui, le monde, il m'écœure un petit peu moins. Ah, c'est juste un fou, ce gars-là. Là. C'est pas de notre faute pantoute, hein, Jimmy? Mais là, on fait quoi? Il y a un fou dangereux qui veut poser des tatons à mon Fernand. Vous allez pas laisser faire ça. Pas de panique, Madame Ouellette. On a planqué des agents partout. Il y en a dans le salon, dans la chambre à coucher, dans le garage, même dehors. Votre mari est en parfaite sécurité. Ne vous inquiétez pas. On va rester ici pour le protéger jusqu'à temps qu'on attrape Conrad Coron. Ben, j'espère que vous allez l'attraper vite, parce qu'avec autant de bœufs dans ma maison, ça va finir par sentir l'étable! Eh ben, Yolande! Fernand, sois poli, c'est des polices! Grosse police pleine de pisse! Grosse police pleine de pisse! Hey! Fernand, ça suffit! OK! Puis moyen d'avoir du fun, ici. Hey! Oh, bonhomme, là! Tu t'en vas où comme ça, là? Ben, relax, le gros, là, je m'en vais chaud aux toilettes, là. OK, mais fais ça vite! Avez-vous faim? Prendriez-vous un petit grilled cheese? Ah, volontiers. Excellent grilled cheese, Madame Ouellette. Excellent. Merci. Je l'ai fait avec du fromage orange et un petit peu de relish. Ça donne un petit goût, hein? Ben oui, ça donne un petit goût. Donc, c'est bien long son affaire. Ça fait une demi-heure avec ta toilette, lui. Ah! Oh mon Dieu! C'est mon Fernand! Fernand Ouellette a des grosses têtes, 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 Coup de théâtre dans le cigare du maniaque aux implants mammaires. Les autorités ont finalement mis le grappin sur l'auteur de ce crime sordide. Il s'agit de Conrad Coron. Un homme sans casier judiciaire. Désolé, Fernand. On aurait bien aimé ça le pogner avant qu'il te pogne. Ah, pas grave. Capote pas. Là. Moi, il m'a dit qu'il faut toujours rester positif. Peu importe ce qui arrive. Là. Ah, ça aurait pu être bien pire, là, tu sais. Il aurait pu me pâter ailleurs, mais me casser les jambes. Écoute, j'allais carrer une shot, hein, le petit gros, là. Hein? Hey, avoue, Jimmy, qu'on a eu du fun avec Coron. Avoue. Hey, tu te souviens-tu quand il a menti dans le bol de toilette? Il a rosé de se noyer. Prends-tu une épaisse? Il y en a qui changeront jamais. Hey, on est-tu bien, Cancun, hein? On est-tu bien? Dans le fond, dans la vie, là, y a rien qui arrive pour rien. Hein, mon amour? Ben, c'est sûr. Ah, excuse-moi, mais c'est parce que notre véhicule vient de tomber en panne.
puis on est comme c'est une petite urgence, là, on doit passer à la banque. Ça sera bien cool si tu peux nous passer ton camion, là. On sera pas long, on rentre pas ça, on va prendre 5 minutes. Hey, là, vous êtes pas des voleurs, là, vous deux? Ben non, voyons donc. Hey, jurez sur la tête de mon chat, on n'est pas des voleurs. OK. Écoute, Conrad, je voulais dire que je m'excuse si je t'ai blessé toutes les fois que j'ai chanté Conrad Coron, il y a des tontons, Conrad Coron, il y a des tontons. Moi, je savais pas que ça te faisait de la peine, puis je voulais te dire que je regrette, puis que j'espère que tu me pardonnes. Bon, OK, c'est correct, Jimmy, là. Je te pardonne. C'est du passé. Il en reviendra pas fou avec ça, là. Correct, 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 correct,